Soyons gentils et écoutons un peu de radio associative. L'hypothèque, c'est comme une bibliothèque sauf qu'on y prête des hippopotames. Inscrivez-vous à l'hypothèque. Super Chaussette FM, radio associative à l'écoute de ses auditeurs. C'est d'ailleurs dommage que ça soit pas réciproque. Voilà, alors voilà, tel que promis, j'ai un groupe qui me rend visite aujourd'hui et je l'ai... Salut, j'ai pas eu le temps de vous présenter, le groupe hip-hop Raffio. Salut. D'abord, salut. Salut. Alors votre album il est sorti, hein? Votre album il est sorti, voilà. Ouais, il y a même un article dans le journal qui parle de notre album, là, ouais. Intérêt zéro pour la dérive. Qui est le titre de votre album? Non, qui est le titre de l'article. D'accord. Notre album s'appelle La Dérive. Et vous avez pu avoir une subvention pour enregistrer votre disque? Non, pas d'argent du gouvernement. Bon, on a fait entendre une chanson au ministre et il nous a appelé après avoir entendu notre chanson Petit Con. Et on peut l'entendre, la chanson Petit Con? Non, Petit Con, c'est comment le ministre nous a appelé quand il a entendu la chanson. Ah, d'accord. La chanson s'appelle Réverbère. Et c'est toujours du hip-hop? C'est du hip-hop. Ouais, parce qu'aujourd'hui, le hip-hop, c'est le hip-hop. Et avec raison, le hip-hop, c'est ce que les gens aiment entendre. Le hip-hop, c'est ce que les gens aiment entendre. Le hip-hop, c'est vraiment le son de le hip-hop. Hip-hop. Alors, vous adressez aux jeunes, c'est votre clientèle? D'abord, disons que les gens qui achètent nos disques, c'est des gens avertis. D'accord. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la pochette. Ah, bah oui, c'est écrit. Avertissement, ce disque a des chances d'être mauvais. Vous voyez, ils sont avertis. Avant l'achat. C'est ça. Et on vous a pas fait de contrainte au niveau des paroles, la musique? Ah non, pas du tout. Pour ça, on a carte blanche. Ouais. Mais vous devez par contre payer vous-même la production. Ouais, évidemment, mais... Pour ça, on a carte bleue. Et il y a longtemps que vous bossez sur cet album? Évidemment, au début, on enregistrait et en écoutant, on trouvait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais maintenant, on écoute et puis bon... Ça va toujours pas. C'est ça. Bon, on va écouter un extrait. D'accord. C'est la chanson À quoi tu joues. Et c'est un bon exemple d'ailleurs de ce que je disais. Quand on a failli écouter celle-là, notre manager, la première fois, il nous a dit, les mecs, il faut la refaire, il faudra mettre plus de cœur. Bon, on va écouter voir si vous avez mis du cœur. Ouais. Trèfle. Pique. Carreau. Pique. Carreau. Pique. Trèfle. Carreau. Trèfle. Trèfle. Pique. Carreau. Trèfle. Carreau. Trèfle. Carreau. Pique. Trèfle. Trèfle. Pique. Carreau. Carreau. Pique. Trèfle. Pique. Trèfle. Pique. Trèfle. Carreau. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'il dit votre manager? Il dit que ça manque encore un peu de cœur, mais. Deux minutes. Les deux minutes du peuple.